Mathieu Brébard, Elena de Piancourt n'est pas des plus chanceuses ces derniers temps. Ouais, pas des plus chanceuses. La dernière fois, surtout, elle a été mal drivée. Donc voilà, la jument, elle s'est retrouvée à faire un effort en montant, le nez au vent, dans un critérium continental. Donc, elle y est pour rien. Voilà, je plaide coupable à 200%. Donc voilà, la jument était bien malgré tout. Hein, elle s'est bagarrée jusqu'au bout dans un bon chrono. Donc là, faut pas lui en tenir rigueur. La fois d'avant, elle aurait pu être deuxième d'Hermining de Livry sans une faute à la fin. Ouais. Ce jour-là, en sortant du dos d'Hermining, elle était foncée et elle a voulu faire un peu vite même. Du coup, elle a galopé. Voilà, faut la retenir. Hein, c'est une jument intéressante. Là, le lot est bien composé, mais bon, elle a déjà couru face à certains candidats au départ de cette course. La grande distance ne va pas la gêner. À moi de m'appliquer puis lui donner le bon parcours et normalement elle devrait être dans le quintet. Oui, c'est juste une question de déroulement de course pour elle. Ouais. Puis elle est capable de faire un petit effort pendant le parcours pour se placer et tout. Et la jument est en forme, c'est sûr. Maintenant, faut que le driver soit concentré.